Salut, c'est Guillaume. Hey, salut, c'est Alex. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on est au pôle image de Biarritz. Ah ouais, c'est vrai, c'est Monsieur Mathieu qui va nous le présenter, les différents BTS. Une scène de fiction, voilà. Donc ça, c'est un vrai travail avec différents éclairages, différents types de projecteurs, etc. Donc trois niveaux dans le bâtiment. Le niveau principal, là vous avez des salles de cours traditionnelles, il n'y a pas grand-chose. On va en voir en haut, c'est une salle de cours traditionnelle. En fait, le bâtiment est plutôt conçu comme une chaîne de télévision, on peut le transformer en quelques heures en chaîne de télévision. Et les choses se croisent assez fréquemment. Là, en fait, on a tout un espace. Visiophone. Il y avait un canal local qui était Biarritz Télécable, et donc le principe technique, la possibilité technique, c'était que non seulement les abonnés pouvaient recevoir différentes chaînes, et il n'y en avait pas 500, je pense qu'il y en avait une vingtaine au maximum, grand maximum à l'époque. Par contre, sur le canal local, ils pouvaient intervenir directement à l'image. Et comme ils avaient une fibre optique, enfin, c'est un principe de webcam. Je vais le dire comme ça, ce sera plus rapidement. Ça faisait Minitel, je crois aussi. Ouais, je pense que c'est les planètes qui sont. Et il y avait deux centraux pour faire marcher tout ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Il me semblait que ça faisait Minitel. Il y a l'envoi vert, je me rappelle. Et le central était sur le plateau de la Talaï. Oui, et il y en avait un autre qui était là où il y a le musée asiatique. Mais c'est un truc de fou, comment ça se fait? Il y avait plus de 1500 personnes qui avaient le Visiophone, et moi je l'avais pas. Ah ouais, mais t'habitais pas Biarritz, tu sais, c'est une ville avec plein d'histoires. Hein. On a même failli avoir le festival de Cannes. Bon, en résumé, les BTS proposés, c'est quoi? Alors, ta technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Ouais, c'est super compliqué, qu'est-ce que c'est? Ça te permet d'être polyvalent sur tous les postes. Ça veut dire que je vais faire de la post-production, je vais faire du son et du montage vidéo. Exactement. Un truc de fou. Et même un peu plus. Tu as aussi les métiers du montage et de la post-production et les métiers du son. Mais c'est bizarre, il me semblait qu'il y en avait 5. Oui, mais tu sais, ils peuvent pas proposer les 5. Leur principale source de revenus vient de la taxe d'apprentissage. Mais alors l'État, il paye quoi? L'État subventionne les salaires des professeurs et l'entretien des locaux. C'est un truc de dingue. Et t'as pas tout vu, je vais te montrer la télé maintenant. Sur le plateau, les positions sont assez fixes. Ça peut bouger, en général on bouge pas en direct. On mémorise des positions et on va rappeler des positions différentes sur ce type de caméra. Voilà, ça c'est aussi une bonne illustration du travail. Waouh, mais ils ont du matos de fou! C'est trop bien ici! Et encore, t'as pas vu la régie? C'est le poste de la vision. Il y a plusieurs manettes. Chacune des caméras est reliée à une manette et ça va permettre de régler la colorimétrie de l'image. Alors ça, c'est quelque chose, je l'avais dit un peu avant, qu'on peut faire en post-production. C'est ce qu'on appelle l'étalonnage. Et on peut aussi le faire en direct lors d'un enregistrement en réglant les caméras. C'est ce qui va se faire, par exemple, sur une captation. Et au rez-de-chaussée, il y a encore plein de trucs sympas. Comme quoi? Waouh! Régie entièrement HD, il y a une dalle de visualisation qu'il faut apprendre aussi à paramétrer. On a les différents postes qu'on va retrouver. Le joystick là noir sur le petit truc blanc, c'est ce qui permet de piloter les caméras robotisées. On a deux autres postes en plus, un peu sur l'étalonnage, je vais expliquer un peu après ce dont il s'agit. On peut faire du montage, on peut faire du compositing, là il y a quelqu'un qui est en train de travailler. Ouais, c'est bien tout ça, mais moi je comprends rien, c'est trop dur. Mais justement, t'es là pour apprendre. C'est qu'en fait, sur ce poste-là, qui est un peu plus évolué, c'est une station d'un autre qui s'appelle Habit Symphonie, qui permet de faire de l'étalonnage, donc correction colorimétrique. Et donc ici, l'idée,
c'est que ces trois boules correspondent aux trois composantes d'une image, rouge, vert, bleu, et donc on peut agir sur les composantes colorimétriques de chaque image de façon à ajuster. Là, on est vraiment sur un équipement colorimétrique de base. Ça peut aussi se faire directement à la souris. Là, on a une petite interface. Dans des équipements professionnels, il y a une salle qui est avec une table. T'as coupé un grand table, c'est quoi cette histoire? Je veux la voir. Oh, on y reviendra. Regarde, ici, c'est la salle des serveurs, là où toutes les données sont centralisées. Ouais, ça doit faire un paquet de données, tout ça. Tu dois avoir beaucoup d'élèves. Effectivement, dans chaque spécialité, tu as 12 élèves par classe. Qu'on va retrouver à France 3 Bordeaux, à France 3 Toulouse, et plutôt sur la post-production de fiction ou de documentaire, c'est pas pour le jeu, le JT quotidien. Voilà, et alors là en fait on a quatre salles. Ici en fait rien d'extraordinaire, on a un studio son avec là aussi un traitement acoustique. Mais comme je l'ai expliqué, à certains moments on a besoin d'expliquer les bases, donc on installe aussi des tables. C'est déjà fini! Eh oui, c'est déjà la fin. Oh non! Bref, c'était Alex et Guillaume. Mais si c'est comme ça, moi je me casse! Ah mais non, on part pas! Bon, à bientôt!